MTN, le géant sud-africain des télécommunications, a fait savoir dans un communiqué publié ce vendredi qu'il est parvenu à un accord avec le gouvernement nigérian. Cet accord stipule le versement d'une amende de 1,7 milliard de dollars sur 3 ans. Amende que versera MTN au Nigeria. MTN est heureux d'informer ses actionnaires que le conflit avec le gouvernement fédéral nigérian a été résolu selon les termes suivants. MTN Nigeria a décidé de verser sur 3 ans 330 milliards de naira au gouvernement fédéral nigérian, a dit l'entreprise de télécommunications dans son communiqué. Cet accord pourrait mettre un terme au conflit qui opposait le Nigeria à la société sud-africaine.